plume. Mais qu'est-ce qu'il fout, la Vermoc? On a encore pris du retard. Ah, dis donc, vous qui parlez de discrétion, mais plus vous êtes vernis, hein. Dix fois, je lui ai demandé de ne pas mettre son chapeau de Texan lorsqu'il vient ici. Il m'a répondu qu'il ne le retirait que lorsqu'il prenait sa douche. Ah, quand même. Entrez, entrez. Je vais prévenir Angeli que vous êtes arrivé. Hé, vous allez bien? Ne vous fatiguez pas, il ne part pas un mot. Allez voir si Jenny est prête. Drain. Bonjour, vous êtes un ami de ma soeur, sans doute. Ah, je comprends, vous êtes muet. Bon garçon. Isabelle! Isabelle, tu es là? On est en retard, hein, on est en retard. Jenny est presque prête, je vais la chercher. Ring. Bonjour, madame. Excusez-moi, mais je suis la sœur d'Isabelle de la Jonquière. Je me demande, elle n'est pas là, enfin, elle n'est plus là. Oui, enfin, c'est que... Ah, je sais qu'elle avait des ennuis et qu'elle devait peut-être déménager. Mais elle ne m'a pas prévenue, sans doute, pour ne pas m'inquiéter. Vous comprenez? J'ai trouvé la clé sous la marche, comme d'habitude. Mais je me suis doutée de quelque chose quand j'ai vu votre mari. Oui. Vous ne connaissez pas sa nouvelle adresse? Non. Oh, non, c'est pas grave, hein. Mon frère doit le savoir. Vous me voyez très confuse. Excusez-moi encore. Le taxi sera là.
si jamais elle apprend que je prête ma maison, ça te plaît, hein, déjà qu'elle était choquée au point de me à la patte. À la patte? Oui, à la patte, pour le living. Tu comprends, j'aime beaucoup ma sœur, et je ne voudrais pas la perturber dans sa vie spirituelle. Et Arnold, lui aussi a bien demandé ce qui arrivait. Une bonne sœur ici? Moi, ici, mais c'est chez moi. Oui, mais je vais quand même essayer d'aller lui expliquer. Écoute, présente-lui mes excuses, hein. C'était un accident. Oui, mais il ne faudra pas que ça recommence. Isabelle, je sais, je suis très en avance, mais je viens là prendre une nouvelle extraordinaire. Asseyez-vous. On murmure que dans le quartier, on doit ouvrir une maison. Une maison de quoi? Bah, une maison avec des filles. Ah, oh, une maison de rendez-vous. Un bordel, si vous préférez. Ce n'est pas possible. Un bordel dans le quartier? Oh, mais c'est trop beau. Et vous n'avez pas remarqué? C'est presque pas croyable, hein. On peut tout le monde là. Oh, bon, je vais raconter ça, selon. Ah, c'est fait. Je sors de chez elle. Il paraît que ça nous... Pardon. Il paraît que ça ne fonctionne que 4 jours par semaine. Que, on n'y reçoit que du beau linge, beaucoup d'étrangers. Il paraît qu'il y en a un qui ne passe pas inaperçu. Il porte un de ses chapeaux comme on voyait dans Dallas. Quoi? Attendez, vous voulez dire chapeau comme les cow-boys? Exactement. Il paraît que les clients entrent grâce à une clé cachée sous une marche du perron. Tout est possible. Les deux chauffeurs de taxi qui en parlaient au tabac avaient l'air plutôt bien renseignés. Il paraît qu'entre 14h et 18h, c'est un vrai défilé. Oh, mais c'est monstrueux. Oh, mais Isabelle, depuis que le monde est monde, ce genre d'endroit a toujours existé. Paul, dites-moi que ce n'est pas vrai. Il paraît que pour les rendez-vous, on peut réserver via Internet ou appeler une certaine Tania. Tina. Oui, c'est ça, Tina. C'est pas possible, elle n'a pas fait ça. Ah ben. Mon Dieu, et si François Darboise t'apprend? Oh, Darboise est un homme à l'esprit ouvert et qui sait lire. Ça peut même l'amuser. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais devenir? Oh, je vais me suicider. Voilà, je vais me suicider. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Ça ne va pas? Vous préférez qu'on remette votre petite partie de dame à demain? Oui, Paul. Très bien, Isabelle, à demain. Et ça ne vous fait rien si j'emmène le cigare de votre ami? C'est un van, il a à peine commencé. Quel ami? Quel cigare? Oh, bah, ce n'est pas un ami, c'est à moi. Vous faites le cigare? Depuis quand? Depuis que je me suis battu à la tâche. Bonne soirée. Au revoir, Isabelle. Et promis, si j'apprends quelque chose de nouveau à propos du bordel, vous serez la première informée. Ne te fais pas de soucis, Arnold a très bien compris. Arrête ton cirque, tu veux? Ah, c'est tout ce que tu trouves à dire. Ça devait bien arriver un jour. Tu ne nies même pas. Pourquoi faire? De toute façon, comme je n'ai aucune envie de connaître les raisons qui t'ont poussé à faire ça, je te demande de prendre la porte immédiatement et de bien vouloir emmener ton petit père Soleil. Tina, tu ne m'as pas compris? Je te demande de foutre le camp d'ici. Calme-toi, Isabelle. Tu vas sortir à la fin. Même si je le voulais, je ne pourrais pas. Très bien. J'appelle Charles. Et nous verrons bien quand il va t'embarquer la tête que tu feras. Pense aussi à celles qui feront ses supérieurs lorsqu'ils apprendront que la sœur d'un de leurs futurs directeurs connaît un claque dans le 16e. Attends. Tu ne ferais pas une chose pareille? Ah, moi non. Mais Monsieur Boris, lui, il ne va pas se gêner. Monsieur Boris? La mafia, tu en as déjà entendu parler? La mafia? Oui, avec Boris, le hasard n'existe plus. C'est l'organisation sans faille. Tiens, regarde. C'est une mouette calme. Elle a enregistré les clients, les allées de tout le monde, y compris dans les chambres. Crois-moi, avec ça, il y a suffisamment de matériel pour t'envoyer en prison. En prison? Oui, pour proxénétisme. C'est comme ça qu'on appelle les gens qui vivent de la prostitution. Oh, mais moi, je dirais qu'on a abusé de ma confiance. Ça, il faudra le prouver. Les juges verront surtout qu'en quelques mois, tu t'es sorti d'une situation financière catastrophique. Tu as fait les comptes de ce que je t'ai donné en 3 mois? Mais c'était des avances sur la vente de mes tableaux. Tes tableaux? Isabelle, soyons sérieux. La vente de tes tableaux? Tu plaisantes. Tu as peut-être un petit talent, mais ni plus ni moins que des milliers de
ne les vends pas. Mais les toiles, tu les vendais bien. Pas une, Isabelle. Pas une. Bah pourtant, tout le monde me disait que c'était surprenant. Enfin, le plus surprenant surtout, c'est que tu aies pu penser que tes croûtes valaient quelque chose. Mais c'est un monstrueux ce que tu as fait là. Et j'explique les gros trucs. Mais tu n'étais pas étouffée par la curiosité. La curiosité? Oui, en réalité, tu n'as jamais fait beaucoup d'efforts pour essayer de savoir d'où venait cet argent. Parce que c'était la solution à tes problèmes et que cela te permettait de conserver ton petit univers bien confortable. Tu es comme ces grandes bourgeoises qui ne tiennent debout qu'appuyées sur le mur de pique. Que celui-ci s'écroule, elles seraient obligées de vivre la vie de tout le monde. Et trop boulot dodo, avec le pourcentage normal de celles qui tourneraient la prostitution. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'au fond de toi, tu te doutais bien que mes soi-disant acheteurs payaient des toiles très au-dessus de ce qu'elles valaient. Alors tu aurais voulu que je leur dise « Non, messieurs, ne payez pas ce prix-là, c'est beaucoup trop cher !» Ce qu'on te reprochera, ce n'est pas le prix des tableaux, mais l'argent des chambres qui, elle, servait à la prostitution. Mais moi, je l'ignorais. Oui, mais comme tu ne pourras pas le trouver, ça vient au même. Mais c'est épouvantable. Mais qu'est-ce qui va se passer, alors? Oh, bah, rien. Rien du tout. Comment ça, rien du tout? Tu ne trouves pas qu'il serait dommage d'interrompre cette collaboration si fructueuse? Tu veux dire continuer ce sale commerce? Oh, mais non, mais moi, je ne veux pas. Mais Isabelle, tu n'as pas le choix. Et puis, tiens, moi, l'autre, d'ailleurs. Hein. Pourquoi, toi, non plus? Parce que toi et moi, Isabelle, nous sommes sur le même bateau. Souviens-toi, il y a 8 ans, à l'époque où je défilais dans le monde entier, un jour, quelqu'un m'a demandé de passer des dessins de mode aux États-Unis. Très bien payé. C'était un peu risqué, mais on m'avait dit que c'était pris, ils ont payé l'amende. J'ai fait ça pendant plusieurs mois, mais ce que j'ignorais, c'est que les rouleaux de dessin étaient farcis de cocaïne. J'étais tombée sans savoir entre les pattes de M. Boris. Quand j'ai voulu arrêter, le marché était vite conclu, ou je l'aidais, grâce à mes relations, à monter un réseau de colbures à Paris, ou alors ils me dénonçaient avec preuve à l'appui à la police. Que tu te sois mise dans de sales draps, c'est ton affaire.